minute d'Élodie Pou sur Rire et Chanson. Bonjour ma chère Élodie. Oui, oui, bonjour mon cher Bruno. Non, Bruno. Ah oui, pardon. Je vous sens tracassé ce matin. Non, m'en parlez pas, j'ai fait un euro-million. On m'a dit que pour mettre toutes les chances de mon côté, il fallait brûler un siège à l'église. Alors j'y suis allée, j'ai fini en garde à vue. C'est quoi ce conseil? Non, faut brûler un cierge, Élodie. Un quoi? Un cierge, une bougie, pas un siège. Ah, c'est pour ça que le prêtre, il était pas content. Ah oui. Puis il était assis dessus en plus. Oui, j'imagine, oui. Okay. On lit le courrier du coup? Oui, s'il vous plaît. Allez, oui. Monsieur Trou dans la Creuse. Oui. Cher Bruno, qui doit rouler des pelles régulièrement d'ailleurs. Cher Bruno et Hello, c'est nous. Je vous écris du fin fond de ma table de nuit où je me cache de ma femme, Vanessa. Depuis que nos jumeaux, Oumous et Tarama, sont nés, elle me tanne pour les faire baptiser. Mais rien qu'à l'idée de devoir écouter des prêchis préchats pendant une heure, j'en ai les oustiques qui croustillent. La seule divinité en laquelle j'ai jamais cru, c'est Goldorak. Mon messie à moi, il est au PSG. Et la seule fois où je suis rentrée dans une église, c'était avec ma bagnole. Les freins étaient pétés. Comment me sortir de cette panade? Cher Monsieur Trou, la religion, c'est comme la brosse à dents, chacun la sienne. Mais si c'est madame qui veut, alors autant vous rendre à l'évidence. Vous avez déjà perdu. Les petits trous vont se faire baptiser. Bon, maintenant, tout n'est pas perdu quand même. C'est vrai. Vous pouvez toujours échapper aux messes dominicales, à la première, deuxième communion, la confirmation. Pour ça, rien de plus simple. Simuler une allergie à la cire. Dites que vous êtes sataniste. Ouais, ou témoin de Jéhovah. Non, faut pas pousser quand même. Dites que vous refusez d'aller à l'hôtel. Que vous devez chasser la grenouille du bénitier. Ou que vous devez écrire votre testament. Nouveau testament, sinon la blague marche pas. C'est vrai, elle marche pas. Dites que vous êtes pas un enfant de cœur. Que vous préférez vous curer le nez. Je pense qu'on est bon là, non? Oui, ça fait beaucoup effectivement. Voilà, monsieur Trou, ne nous remerciez pas. On est là pour ça. Et dites à votre femme Vanessa qu'elle l'emportera pas au paradis. Et bonne célébration, monsieur Trou.